Des bolides lancés à toute vitesse, à quelques jours du grand défi annuel sur Macadam, les protagonistes du mondial enchaînent les séances d'essai, et pour cause. C'est ce genre d'essai qui leur permet de peaufiner et d'avoir la meilleure auto pour concourir sur le rallye Tour de Corse. Et effectivement, c'est ce qui va leur permettre d'être soit devant, soit un peu moins bien classé, mais c'est exactement ce qui fait que la différence. Bon, donc bien évidemment, comme d'habitude, tu les mets derrière et tu les bloques pour qu'ils ne puissent pas partir quand ils ont envie. Ce travail grandeur nature nécessite un maximum de sécurité, donc une organisation sans faille. Les maîtres d'œuvre, c'est eux. Depuis près de 30 ans, Dominique Savignone et son épouse Sabrina De Castelli assurent la maîtrise totale de ce que les professionnels nomment la base d'essai. C'est une route choisie par les ingénieurs et moi-même pour faire un concentré de ce qu'ils peuvent trouver sur toutes les spéciales du Tour de Corse. Voilà, donc c'est un casse-tête pour moi parce que j'ai beaucoup de bases à leur proposer, il faut que je trouve plusieurs solutions. Et pour trouver justement ce dont ils ont besoin pour faire le setup de leur voiture et ce qu'ils vont surtout trouver dans les spéciales du Rallye Tour de Corse. Piloter à une vitesse maximale et en toute sécurité, c'est donc la finalité de l'opération. Ça y est, tu as tout préparé? Oui, c'est prêt, il y en a un autre dans le four qui va d'ici 10 minutes. Pour autant, le couple a élargi son champ d'action en proposant une organisation liée à l'hébergement et à la restauration. Un service sur mesure qui génère dans la région d'importantes retombées économiques. Ces opérations, ça regroupe généralement une cinquantaine de personnes. Donc vous imaginez bien, en cette période de l'année, dans cette région, ça apporte vraiment beaucoup au point de vue économique. Tout le monde y trouve son compte? Bah, tout le monde y trouve son compte, oui, parce que je travaille beaucoup avec des sociétés de gardiennage, je travaille avec mes postes de sécurité, je travaille avec les ambulances, les hôtelleries, les restaurants, les avions, les compagnies maritimes, enfin voilà, tout ça, ça apporte une économie, en fait, une vraie économie. Ainsi, pendant plus d'un mois, le gratin du championnat du monde WRC a titillé le bitume insulaire. Les résultats resteront top secret. Le grand déballage aura lieu dès la première spéciale chronométrée du 61e Tour de Corse.